tous, bienvenue sur ma chaîne Tendance David. J'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui la sortie de mon nouveau livre Drusus, la naissance d'un lapin de Pâques. Alors comme son indique, il s'agit d'un lapin, qui s'appelle Drusus, et qui est particulier parce qu'il va pondre des œufs au chocolat dans son clapier, dans une des fermes de Drusnan, il y a des siècles auparavant, d'une ancienne famille de Drusnan. Alors, je n'ai pas choisi Drusnan pour rien, parce que c'est une ville que j'affectionne particulièrement, parce que j'ai eu des ancêtres là-bas. Puis aussi, une particularité, c'est qu'il est relié, non pas par un pont, mais par un bac, donc un bateau où les voitures peuvent aller dessus, les vélos, les gens, avec l'Allemagne. Et tous les jours, on peut aller dessus, et j'avais vraiment envie d'écrire une histoire là-dessus, donc avec le lapin de Pâques. Donc, vous allez voir, c'est assez particulier. Et donc ça se passe il y a des siècles, le lapin pond des œufs au chocolat, et puis il est paniqué, il ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qui lui arrive, etc. Et grâce à la culture et à l'entraide, qui sont les deux thèmes du livre, eh bien il va pouvoir sauver Pâques de cette année où il est né, et des années qui vont suivre, et même d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Je vous en dirai pas plus, je vous laisse le découvrir. Il est destiné aux enfants à partir de 5 ans, à lecture assistée, jusqu'à 12 ans, et même plus, pourquoi pas? Il n'y a pas d'âge pour lire les livres pour moi, les enfants. Je remercie Laura Kress, qui est l'illustratrice de ce livre. Elle fait une vingtaine d'illustrations pour accompagner mes textes. Elle est vraiment très talentueuse, vous verrez, c'est vraiment très très beau. Il y a des lapins partout, il y a des poules, il y a des pintades, etc. Vous verrez, c'est vraiment très beau. En ce qui concerne les textes, bien sont toujours avec de grandes écritures et des grandes interlignes pour faciliter les lectures. Je remercie aussi tous ceux qui m'ont aidé à le réaliser. C'est pas évident, c'est plus de 2 ans de travail, mais je suis vraiment content du résultat, il est enfin là. J'espère qu'il vous plaira. Je vous invite aussi à venir visiter ma chaîne où il y a d'autres livres en présentation, dont celui de Herrlisheim, une autre ville que j'affectionne particulièrement, la boîte aux lettres magique de Herrlisheim, et donc plein d'autres livres. Il y a des sketchs humoristiques, des chansons humoristiques, etc. Vous pouvez m'écrire sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt et joyeuse Pâques! Ciao!